Johnny Hallyday était-il habituellement résident français ou résident américain? La justice française va devoir répondre à cette question si elle se déclare compétente. Résidence habituelle en France, cela signifie que ce sera la loi française qui s'appliquera sur l'héritage en faveur des quatre enfants de Johnny. En revanche, si le juge de Nanterre considère que Johnny n'avait pas sa résidence habituelle en France, mais que néanmoins il est compétent, le juge, pour statuer sur la succession, parce que Johnny était français, qu'il avait des biens en France, c'est la loi californienne qui s'applique. Et si c'est la loi californienne, David et Laura n'auront rien dans la succession. Green card depuis 2014, photos postées sur les réseaux sociaux, déclarations dans la presse. Les avocats vont brandir aujourd'hui de nombreuses preuves pour convaincre le juge que Johnny était plus français ou plus américain. Où s'est située sa carrière professionnelle? Où sont ses intérêts patrimoniaux? Quelle est sa nationalité? Quel est son centre d'intérêt familial et amical? Est-ce qu'il a plus d'amis en France qu'aux États-Unis? Est-ce qu'il a fêté des événements importants de sa carrière en France ou aux États-Unis? À partir de là, les juges vont mettre en balance ces éléments-là. Selon nos informations en coulisses, les tractations à l'amiable sont au point mort. Tout va se jouer devant la justice. La décision de Nanterre sera rendue dans les prochaines semaines.